33 personnes sont aujourd'hui en péril sur le bateau Sea-Watch, puisque depuis le 21 décembre, personne n'est capable de les accueillir. Il y a deux bébés à bord, deux adolescents sans adulte référent. Et malheureusement, l'Italie de Salvini rejette ce bateau, ne l'accueille pas. La France, qui n'a pas su accueillir l'Aquarius, n'est pas non plus capable de tendre la main et l'Union européenne continue de se désintéresser. C'est pourquoi nous voulons ici rappeler urgemment le devoir d'humanité qui est le nôtre. Devoir d'humanité, devoir d'assistance à des personnes qui sont réellement en danger. On sait qu'il y a plus de 2000 personnes mortes l'année dernière dans ce magnifique lieu qu'est la mer Méditerranée, mais qui en fait aujourd'hui un grand cimetière, plus de 30 000 depuis les années 90. Se taire, c'est être complice. C'est ce qui se passe avec la France aujourd'hui, qui est finalement complice bien des politiques les plus répressives envers les migrants, et c'est celles qui produisent le plus de morts. Alors que nous avons des points d'appui, puisque le droit maritime impose de sauver ces vies, que le droit international aussi nous empêche normalement de laisser mourir des gens ainsi, et que c'est aujourd'hui une crise de l'accueil et non pas une crise des migrants qui est sous nos yeux, et c'est pourquoi nous devons interpeller politiquement le gouvernement français et l'Union européenne pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, ça suffit de s'aligner sur les pays les plus sécuritaires en termes de migration. Il est temps de préparer l'Union européenne aux migrations qui auront lieu de tout temps. Et ça, c'est en préparant l'accueil et le respect des droits, du droit international, des droits et de toutes les conventions que nous avons signées et qui font que nous sauvegardons notre humanité.